Je suis arrivé à Thiers en 1959. Je devais avoir déjà 25 ans. J'avais joué dans des petits clubs, mais je ne connaissais pas ce que c'était qu'un entraîneur. Je n'avais jamais eu d'entraîneur, mais je jouais assez souvent et j'ai eu la chance de jouer avec une équipe de Thiers qui était au summum quoi, à l'époque. Et on s'est permis même de gagner le championnat du groupe Centre. À l'époque, on avait un très bon club et beaucoup d'amitié surtout. On jouait vraiment avec des gens qui voulaient, quoi, qui s'accrochaient. Quoi. Et bien, très sympathique en plus, parce qu'à l'époque, on se voyait souvent, même la semaine, aux entraînements. C'était une occasion de boire un petit coup et puis de trouver des copains, quoi, discuter. Et vous faisiez un match devant des milliers de personnes à cette époque ? À cette époque, oui, il y avait du monde, il y avait beaucoup de spectateurs. Ça dépendait parce qu'on avait pas mal trop mal réussi aussi, peut-être. Hein. Ça jouait un certain rôle. Hein. Et puis, il y avait beaucoup moins de distractions que maintenant, il faut reconnaître. Hein. Oui, moi, j'étais joueur à la Monnerie, un petit club à Montagne-Ternoise. Voilà, je suis venu à Thiers, j'avais 21 ans. J'ai connu mon premier match de CFA à Moulins. On avait gagné 2-1 à Moulins, je me souviens de ça. Et là, j'étais content, bien sûr, pour mon premier match. Et de là, on est parti après, on avait joué toute la semaine, on est parti sur le Bordeaux, tout ça. Et j'avais oublié mes chaussures dans le vestiaire à Moulins. Et mon entraîneur du coin, Paul Boyer, qui était un monsieur, eh bien, je peux vous dire que ça avait bardé à cette... Oui, on avait vraiment beaucoup de monde, de beaucoup de supporters, et fidèles. Hein. Vous étiez des beaux gosses. Oui, on se regardait pas dans la glace. Mais... on était des beaux gosses, oui. Je suis arrivé à Thiers en juillet 68, et j'ai joué pendant 9 ans à Thiers, avec 5 entraîneurs qui m'ont tous apporté quelque chose. Je veux parler de monsieur René Gardien et de monsieur Marcel Leborgne, mes deux premiers entraîneurs. Après est arrivé Marian Wigneski, qui lui, sur un malentendu, m'a fait changer de poste. Je jouais avant-centre, m'a mis arrière-latéral un jour, il manquait quelqu'un en équipe en réserve A. Et je n'ai pu quitter cette place jusqu'à la fin de ma carrière, entre parenthèses. Est arrivé ensuite William Martin. Il m'a permis d'intégrer l'équipe des moins de 23 ans d'Auvergne, et qui a été marqué par une victoire historique à Bastia, au stade Furiani, où nous avions gagné 1-0. Le dernier... Toutou, qui lui aussi m'a apporté beaucoup de choses, mais qui lui m'a promu capitaine de l'équipe première. Après, je suis parti en 1977 et je suis revenu en 83 quand M. Licata, alors président, et Daniel Chaumette m'ont demandé de prendre en charge l'équipe junior des SAT. Et là, j'ai vécu 3 années merveilleuses avec une jeunesse à l'écoute, des dirigeants formidables qui étaient au service de l'équipe. Mais je vais quand même citer 2-3 dirigeants. Monsieur Chambon, entre autres, et Monsieur Jakubowski, qui nous faisait la touche tous les dimanches, et Monsieur Maret Michel, qui était au service de l'équipe, sans jamais discuter mes décisions. J'ai été joueur au SAT Foot de 1977 à 1990, c'est-à-dire 13 années. Les 4 dernières années, j'ai cumulé le fait de jouer avec l'entraînement des équipes juniors. 1977 a été une année particulière, une année de séisme pour le club. Il y a eu un nombre important de départs de joueurs historiques, de dirigeants historiques. Ma génération, la génération 80, a été obligée de se repenser un peu. On a mis en avant un esprit de groupe qui a fait que on a pu affronter ces années au niveau régional. Les résultats de cette époque ont été un peu en dents de scie. Il y a eu quelques beaux moments, notamment à travers la Coupe de France, d'autres moins glorieux. Je me souviens que nos supporters nous faisaient savoir qu'on devait être certainement meilleurs pour la troisième mi-temps que pour les deux premières. Mais ça fait partie de la vie de tout footballeur. J'ai été joueur au SAT pendant 19 ans. Depuis, j'ai eu une période où je me suis arrêté. Et j'ai recommencé quand mon fils a commencé à jouer au foot. Donc, j'ai toujours, depuis 1973, j'ai toujours été au SAT pratiquement. Autrement, voilà, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. J'ai eu William Martin, j'ai eu André Tournaire, Emmanuel Lanza, Roland Brugère aussi, Gérard Monnier, Roger Chevalier, Acosta,
Carlos et le coach René Gardien. J'ai été un joueur un petit peu délicat parce que j'étais un peu foutraque, on va dire. Les dirigeants avaient un peu de mal avec moi, j'étais dur à canaliser. Ce que je retiendrai de ces presque 20 ans, c'est l'amitié qu'on a pu lier, des dirigeants qui nous ont accompagnés depuis que j'ai commencé en cadet, M. Barbeau, Gaby Chassin, René Sauzède, M. Andro, M. Torti, Alain Morel, Noiria Jimmy, que j'oubliais. Et surtout, je voudrais penser à deux personnes qui me sont chères au cœur, c'est Daniel Griffon et Stéphane Martin, qui sont morts, mais qui sont avec nous et qui le resteront toujours. Et j'étais au club à partir de la saison 79 jusqu'à la saison 91. J'étais gardien de but. J'ai joué dans toutes les équipes des SAT seniors. J'ai aussi passé un petit moment pour entraîner les gardiens de but. D'accord, mais gardien de but, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, mentalement. Est-ce que vous avez des regrets sur des buts que vous auriez pris? Des regrets, on a toujours des regrets sur des buts qu'on aurait pu éviter, sur des fautes de main qu'on peut faire. Maintenant, c'est vrai que c'est un poste qui est quand même relativement difficile mentalement. Il faut savoir se préparer mentalement. Sur toute la carrière, on n'a que des bons souvenirs. On oublie les mauvais souvenirs et les mauvais gestes. Plus de souvenirs, c'est le match de Coupe de France contre le Clermont Foot, où on a pris 7-0, donc automatiquement on s'en souvient de ça. Je ne veux pas dire que j'étais abattu, loin de là, hein, je veux dire, on savait très bien, on était tombé contre vraiment plus fort que nous, hein, donc on savait très bien que ce serait dur, de là à savoir que j'allais en prendre 7, certainement pas, mais bon, ça se digère assez facilement, et puis on était une très bonne équipe de copains, donc malgré tout, ça ne nous a pas empêché de faire la fête et de vite tourner la page. J'ai évolué au sein du club de 1975 à 1992. Donc j'ai joué dans toutes les équipes de jeunes. Comme éducateur, j'ai eu M. Christian Levadou assisté de M. William Martin jusqu'en minime. Ensuite, j'ai été cadet. J'ai eu comme éducateur M. Jean-Paul Chaise. Et ensuite, je suis passé junior, 3 années, et j'ai eu comme éducateur M. Roland Lancelotti, un ancien joueur du club, un ancien très bon joueur du club. Voilà, ensuite, j'ai évolué en équipe Fagnon, quelques matchs, en équipe réserve également. Et puis, j'ai un enfant qui, à l'heure actuelle, est éducateur des U8-U9, et qui évolue parfois en première et en réserve également. J'ai intégré les SAT en 1975 environ, tout jeune. Et puis j'ai fait jusqu'à à peu près 25 ans. Donc j'ai joué en équipe 1 avec des joueurs qui étaient très intéressants au niveau du foot, qui m'ont permis d'être meilleur buteur de la Ligue d'Auvergne. Donc c'est grâce à eux, c'est grâce à l'équipe. Bah, à l'époque, moi c'est surtout l'époque de l'entraîneur M. Brugir, qui m'a permis à l'âge de 17 ans, 17-18 ans, d'intégrer l'équipe 1. Donc quand on est junior, passer en équipe 1, c'est très important. Et bon, grâce à des bons ailiers et une bonne équipe, on peut marquer beaucoup de buts. C'est ce qui a été le cas. Après, il y a eu des fois où j'ai marqué 6 buts dans un match, hein, ça s'est arrivé. Alors, pas une seule fois, hein. Mais bon, c'est toujours marquant. Bah oui, ça compte. Ça compte, dans la petite carrière, ça compte. J'étais joueur au SAT football dans les années 90, 92, 93, 94, 95. On était champion 93-94, entraîné par René Gardien. On a gagné 2-1 contre Bessé dans l'Allier. J'avais marqué 3 buts et ça m'a beaucoup plu. Ils ont marqué Vincent qui 3, Bessé 0. Ça, je m'en souviens très bien. J'ai découpé mon petit morceau de journal. Hein. Bon, on avait une bonne équipe quand même. On avait quand même Bruno Delors qui était un sacré attaquant devant. Wilson de Oliveira qui jouait dans les buts, c'était un monstre. Et puis, on avait Nicolas Dupuis, l'entraîneur de sélection malgache, là, qui a participé à la Coupe d'Afrique.
qui jouait en libéraux. On avait le stopper et qui sortait de Clermont Foot à l'époque, hein, Mario. Jacques Esco, milieu de terrain, on avait une sacrée équipe quand même. Ben, j'ai gardé des bons souvenirs et puis bon, ça m'a lancé un peu aussi au point de vue professionnellement. J'ai pu rentrer à la ville de Thiers. Maintenant, je suis jardinier et puis voilà, depuis de temps en temps, je retourne sur mon île, la ville de La Réunion. C'est là-bas que j'ai commencé à jouer au foot, en école de foot, minime, cadet, junior. J'ai fait toutes mes préparations gamin à La Réunion. J'ai commencé le foot au SAT Thiers à l'âge de 8-9 ans. À l'époque, ça s'appelait Pupi. C'était mon premier coach, c'était David Jakubowski, qui est président aujourd'hui du club. Et mon entraîneur, c'était Christian Levadou. Et après, j'ai passé toutes mes années d'enfance, jeunesse, au SAT. L'année qui m'a marqué le plus, moi, c'était avec Anthony Archambault. On avait 16-17 ans. C'était notre équipe, on avait une équipe très très forte. On avait des joueurs comme, je dirais, Fabien Combronde, Hugo Deglon dans les buts, Jonathan Salvi, Mourad Real, Ünal Arslan, Samir Soilem, c'était Youssef Bouanan. On avait passé notre série de victoires, on avait fait une année sans défaite. On avait fait finale régionale de la Coupe Gambardella à cette époque-là. On ne perdait pas un match. On était content de venir à l'entraînement. J'ai mes enfants qui jouent ici. On essaie d'aider le club SAT Foot avec un peu de sponsoring maintenant. On donne des coups de main pendant les tournois de Pâques. C'est un tournoi de Pâques, depuis tout petit, nous on le faisait. On attendait tout ce tournoi-là depuis tout petit, toute la saison. Jusqu'à l'âge de 18-20 ans, on a joué toujours avec les mêmes personnes en fait. Et c'est des personnes aujourd'hui, il y en a qui sont une chef d'entreprise, il y en a qui font autre chose, etc. C'est des gens, on est heureux, on est content de les voir. C'est un club que je tiens à cœur, moi, les SAT, c'est... Enfin, même la ville de Thiers me tient à cœur aussi. On est Thiernois.